Nous sommes juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar, à 15 km à peine des côtes espagnoles. Emilio est arrivé d'Espagne, en quête d'un avenir plus radieux, ici, à Tanger, sous le soleil du Maroc. Aujourd'hui, il dirige une petite entreprise de bâtiment. Il a laissé derrière lui la crise qui ravage son pays natal, où le secteur de la construction est l'un des premiers touchés. Là-bas, il n'y avait plus rien. La crise avait interrompu mon activité dans la construction. En Espagne, la situation, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de financement des banques. Maria aussi a traversé la Méditerranée à la recherche d'un travail. Avec sa fille à charge, le coût de la vie en Espagne n'était plus supportable. J'avais un salaire qui n'allait pas, quoi. Je ne voulais plus continuer à vivre comme ça, tu vois, à vivre pour travailler et payer les factures. Avec la récession et un chômage record à 27%, l'exil est le seul choix possible pour beaucoup d'Espagnols. Au Maroc, certains sont employés dans les centres d'appel, d'autres ont monté leur propre affaire. On ne sait pas vraiment si leur arrivée a un effet sur l'économie du pays, où le chômage est également très élevé, autour de 20% chez les jeunes. Selon les chiffres officiels, les travailleurs légaux espagnols sont environ 2500 au Maroc. En réalité, les chiffres sont sans doute plus élevés. Cette entreprise de Marrakech, spécialisée dans les terrains de golf, reçoit de nombreuses demandes. Actuellement, j'en connais beaucoup et qui demandent tout le temps. Et tout le temps, j'ai des emails des Espagnols qui veulent rentrer au Maroc. C'est ce qu'a fait José, chargé de l'arrosage des terrains de golf, arrivé il y a un an et demi. J'ai vu ce travail comme une opportunité de partir, de connaître le pays, le Maroc, et surtout de travailler. Parce qu'en Espagne, en ce moment, les choses vont mal. Et la vérité, c'est qu'ici au Maroc, pour l'instant, ça va. Officiellement, les Espagnols ont le droit de rester 3 mois sur le territoire marocain avec un visa touristique. Mais il va sans dire que nombre d'entre eux ont bien l'intention de rester beaucoup plus longtemps.